Salutations personnes de tout sexe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va découvrir le merveilleux, l'incroyable Minecraft Legend, un jeu que j'attendais pas du tout mais que je fais parce qu'il est gratuit. Voilà. Putain, moi dans les jeux, ça faisait pas ça. Hein. Merci beaucoup, Nas. Et bienvenue à toi. Il a pas l'air content. Non! Donc c'est la vengeance des cochons, quoi. Ah ah, je vois que tu me connais, Nas. Tu me connais peut-être. Ah, mais le chaudron magique, la suite. Oh non. Le traumatisme de Clem revient. Action, savoir, suivez-moi. Nous devons en être témoins ensemble. Ok. Ils sont devenus vénères, les petits cochons. Hein. Clairvoyance ? Putain, je m'attendais pas à cette voix pour lui. Vous avez peur. Je m'attendais plus à un truc comme ça. Non. Je suis simplement triste qu'on en soit arrivé là. On commence ? Donc parmi les divinités, nous avons un rouge à lèvres rose. Avec des yeux. Bien le bonjour. Nous ne voulions pas vous faire peur. Votre bravoure et votre créativité nous ont inspirés et nous vous demandons votre aide. Vous voyez, notre monde est attaqué. Il se fait dévorer. Et c'est un danger que vous seul pouvez prévenir. Le temps presse. Nous aiderez-vous? Ah non. Merci. Maintenant, avancez, brave héros, et rejoignez-nous. Accrochez-vous bien, ça va prendre une petite seconde. Bienvenue. Je crains que nous ayons beaucoup à vous demander. Oh oh. On va pouvoir choisir un personnage. Pour l'instant, par défaut, nous avons... Oh, en vrai, elle est cool. On peut même pas juste avoir Steve? Pourquoi on peut pas avoir Steve? C'est nul. Dans ce cas, d'accord. Nous avons le mode versus. Et c'est que maintenant qu'on m'offre les paramètres. Ça, faut vraiment que les jeux ils arrêtent de te mettre des cinématiques, des trucs du genre, avant que tu puisses accéder aux paramètres. Je trouve que c'est vraiment de la merde. Voilà, c'est dit.
Ah, du coup, vous me voyez faire mes paramètres. Je suis sûr que vous êtes trop ravis. Bon, ça va, c'était rapide. Nouvelle histoire. Merveilleux. Mais vraiment, il y a juste leur monde qui me rassure pas du tout, parce qu'ils ont vraiment réussi à rendre Minecraft plus moche. Ça, fallait le faire quand même. Ah oui, c'est long chargement. Bah écoutez, si quelqu'un avait prévu d'apprendre le polonais ce soir, sachez que vous avez le temps. J'hésite limite à dire GG. J'espère que vous vous sentez bien. Ce genre de voyage me retourne toujours l'estomac. Merci d'avoir eu le courage de venir. Je m'appelle Claire. Pas comme si j'avais le choix. Hein. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Moi, je suis vérité. J'aurais aimé que nous nous rencontrions dans des circonstances différentes. Mais ce monde est attaqué et nous avons besoin de votre aide. D'immondes créatures connues sous le nom de Piglin ont émergé de leur antre ardente. Ils sont pas immondes, ils sont tout mignons. Paisible et toutes les créatures qui y vivent. Nous avons besoin de votre aide pour nous assurer que cela ne se produise pas. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons à vos côtés. Admirez. J'ai toujours voulu dire ça. Nous vous présentons... En plus, ils sont sympas normalement les Piglins. Utilisez ce luth et avec la bonne mélodie, les allées rassembleront des ressources, les garderont pour vous. Et construiront ce dont vous avez besoin. Ça me permet de lutter. Je comprends. Dans ce cas, brûlez les flammes de création. Les flammes appelleront des amis pour se battre à vos côtés. Ces golems nous ont aidés à créer la surface. Et maintenant, ils vont vous aider à la défendre. Et pour finir, voici la bannière du courage. Hissez la haut et les habitants de ce monde... Je croyais qu'elle allait me donner la fleur, je suis très déçu. La faim des piglins est insatiable. Ils ont déjà un pied à la surface. Et si on ne les arrête pas, ils dévoreront tout. Nous n'avons pas préparé les créatures de notre monde pour ce jour. Mais nous pensons... Je vois pas en quoi ce sera un problème. Nous avons fait appel à vous. S'il reste un espoir, c'est vous. C'est peut-être un luth extrêmement lourd. Bonjour. Et coucou Shumi, comment tu vas? Cette fois, nous avons l'avantage. Si vous pouvez détruire les avant-postes de Piglin qui entourent le village... Mais t'as pas fini ta phrase! Mais qui est con? Bah écoute, ça va. Ça va. Un peu fatigué, toujours, mais ça va. Allez, action vous attend. Non, moi je pense que c'est un ukulélé qui est encore plus lourd. Pourquoi le monsieur il a une tête dans le bar de son... Ah, moi je trouvais que c'était un rouge à lèvres. Donc chacun son truc. Mais c'est vrai que la barre de son, ça fonctionne également. Génial. Maintenant, au travail. La surface est remplie. D'accord, bah il est encore plus lourd, voilà. Et c'est là que les... Ou alors c'est juste des feignants. Jouez la bonne mélodie sur votre luth et ils rassembleront n'importe quoi pour vous. Commençons par jouer la mélodie pour récolter du bois. Tu veux dire que c'est un Minecraft où j'ai pas besoin de miner? Incroyable. Bravo. Rejoignez Action et utilisez... Oh, de l'esclavage en musique. C'est vrai que c'est cool, hein. Vous avez oublié une partie, là. Voilà. On fait les choses bien ici. Tête. Comment ça, ressources max? Je vous emmerde. Ou alors, effectivement, c'est des flemmards. Et le ukulélé est super lourd. Ah!
C'est possible aussi. Hein. Ce serait donc un combo des deux. Ah d'accord, je dois leur dire ce qu'ils doivent prendre. Et merci beaucoup pour le follow sur TikTok. Bienvenue à toi, Fort Thomas. Un avis sur le jeu ? Alors, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. J'ai quelques ressources de départ. Mais rappelez-vous que les allées peuvent en rassembler plus pour vous pendant que vous vous dirigez. La deuxième étape consiste à jouer... On vient à peine de commencer, en fait. Allez à construire ce dont vous avez besoin. Salut. Ou alors, ils sont juste B. Pour venir me rejoindre. Oui. C'est malheureusement très possible aussi. Alors, faut que je fasse ça. Je choisisse escalier. Mais il est tout nul leur escalier. Ah. Vous savez que la plateforme que les Z construisent peut également être utilisée comme escalier. C'est juste une question de point de vue. Ah ouais, ça va vite. Bien joué. Les escaliers vont vous faire gagner beaucoup de temps. Et coucou Gogeta, comment va ? Prenez vite le coup de main. C'est une puissante petite arme que vous avez là. Un escalier en bois aurait suffi. Non. Maintenant, c'est le moment d'allumer ces flammes. Utilisez les mélodies de générateur pour appeler les golems que vous avez rencontrés plus tôt. Les mélodies de générateur. Ouais. Et je les place où ? Ce genre là. Oh, excellent! Chaque générateur détient des flammes de création qui feront appel à vos alliés. Appelez-les. Appelez vos alliés. Mais de ouf! Après, moi, ça me va, hein, si pour une fois c'est simple. Pas mal! Les golems ont peu d'expérience de combat. Mais ils se rallieront derrière vous. Utilisez la bannière du courage pour m'envoyer vos amis. Allez! À l'attaque! Excellent. Bah écoute, il est heureux. Si les cessent de vous suivre, utilisez à nouveau votre bannière pour leur demander de rester à distance. Et allez! Vous pouvez également utiliser la bannière pour envoyer vos amis dans la direction de votre choix. Envoyez-les voir action. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Allez, attaquez à ma place. Bonjour mes petits amis. L'idée même de Piglin à l'intérieur du puits du destin est horrible. Mais nous en avons créé des faux afin que vous puissiez vous entraîner à utiliser. Peut-être qu'elle cache bien son jeu. Hein. Alors. Ah moi aussi je peux attaquer. Ok. Allez, venez! À l'assaut! La meilleure façon d'arrêter le flux de Piglin est de détruire les casernes. Bon, le système de jeu est original. Faut au moins leur donner ça. Vous avez réussi. La bagarre ! Exactement. Ce que vous avez appris ici en combat réel, et les Piglins n'auront aucune chance. C'est une bonne chose que vous soyez prêts, car je dois demander que nous avancions. L'un des villages vient d'être attaqué. Oh non. Venez vite avec nous. Nous les rafales de patates qu'ils mettent. Eh. C'est pas des merdes, hein. Ils sont peut-être juste très forts en combat. Mais moi j'aimerais combattre avec lui. Je veux que ce soit lui qui combatte avec nous.
Merci encore pour votre courage. De rien encore pour mon courage. De vous avoir comme allié. Nous serons avec vous jusqu'à la fin. Ce fameux truc, vous êtes avec moi, mais de loin. Mais t'inquiète, on est avec toi, vas-y. On croit en toi, mec. Je les croise, je donne ma montre. Eh tiens, c'est cadeau. Non, non, j'ai pas peur, j'ai juste le cœur sur la main. Mais moi, je veux monter le lama. C'est vachement plus cool. Ah, là, c'est joli, étrangement. Non, Clem, pas comme ça. Bienvenue dans notre monde. Nous serions ravis de vous présenter correctement, mais un village a besoin de vous. Mais il y a des marmottes. Enfin, il y a... Vous avez une boussole et une carte. Utilisez-les pour... Il y a un chien de prairie. Chien de prairie marmotte. Il est trop cool. Il y a un blaireau. Il y a moi. La horde de la chasse. C'est dire un mini capybara. Et il n'abandonne jamais la poursuite. Un aide occupé est un aide heureux. Ah, j'ai découvert le lapis. J'ai pas mal de ressources. Mince, j'ai oublié. Comment je... Vas-y. Prends-moi ça. Donc... Atteignez le village. Ok. Donc c'est là-bas qu'il va falloir aller. C'est comme Dobby dans Harry Potter. Eh oui. D'ailleurs, bientôt la nouvelle série Harry Potter. Je sais pas si vous avez suivi. Dépêchez-vous, les piglins sont acharnés. Oui, bah moi je coupe du bois. Hype, mais inquiet un petit peu. Bah j'avoue que les acteurs qu'ils ont choisis pour jouer les trois enfants, je les trouve pas bien du tout. Et coucou Éponge64, comment vas-tu ? Heureux. Bien et toi? Bah écoute, ça va, merci. On va sortir une nouvelle série? Ouais. Ça va porter sur quoi? Bah ils vont refaire Harry Potter 1 à 7, mais en série. Dans l'idée, je trouve que ça fait sens. Après, ce que je trouve assez fou, c'est que j'ai vu personne dire qu'il fallait boycotter, alors que pour le coup, c'est J.K. Rowling qui sera à la réalisation. Et pourtant, cette fois-ci, personne ne dit « Ah non, il faut boycotter !» Et Hogwarts, tout le monde était contre eux. Bah ouais. Donc bon, j'avoue que ça, j'ai pas trop compris. Et puis surtout, en fait, ce que je trouve dommage avec J.K. Rowling à la réalisation, c'est qu'ils disent que comme ça, va pouvoir s'assurer
qu'on reste bien sur l'œuvre. Et t'es là, tu dis, ouais, mais en fait, Harry Potter, c'est une œuvre qui a été, je trouve, mal écrite. Dans le sens où ça se contredit assez souvent. Et en fait, justement, ça aurait été bien d'avoir une nouvelle vision pour corriger ces erreurs. Le fait que les portes au loin soient mises dès le départ, la poudre de cheminette aussi, le fait qu'ils transplanent, ce genre de choses, quoi. Allons les défoncer. Non, ils ont même capturé le blaireau, les bâtards. Ouais, mais il ça... Il faut arrêter ces petits monstres roses. Malheureusement, c'est toujours, hein. Hop. Vite, vite! Il faut se débarrasser de tous les piglins. Oui, oh, et on se calme. Il y a plusieurs casernes dans cet avant-poste. Éliminez-les toutes, ou les piglins n'abandonneront jamais. Allez! On y va! Alors, j'ai pas vu leur caserne par contre. Putain, j'ouvre la cage en musique. Incroyable! Ceux en bois, ils sont cool. Ils me rappellent un peu les monstres dans Zelda Majora's Mask. Mais non, petite Clem. Alors par contre, je les ai pas vus, hein, leur générateur. Hein. Tiens, vilain. Ah bah apparemment, j'ai réussi. Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont pas respecté les danger immédiat est passé, les maisons du jeu. Le village est dévasté. Parce que les villages de villageois ressemblent pas à ça. Quoi. Une cabane de charpentier réparera les structures avoisinantes. Dites aux allées d'en construire une pour vous. Ouais, construisez une cabane de charpentier. Attends, tu essaies de taper un villageois? Non. C'est pas mon genre. Je peux pas détruire leur maison moche. J'aime pas votre déco. Oh, quel soulagement! L'eau coule à nouveau. Ce regard. Je vois pas de quoi tu parles. Les piglins montent une attaque contre un autre village. Il n'y a pas de temps à perdre. Les villageois ont besoin de vous. Oh, et ils sont très demandants, hein. Bon, allez. On va aider le village. YOLO! Ok, attendez. Je peux pas supprimer les unités. C'est bon, je vais pas les faire marcher tout ce chemin, quand même. Oh bah non, ils me suivent. Bon bah venez. C'est ça, c'est genre, tu viens de les sauver, c'est genre, merci, maintenant construis-nous ça et va aider le village voisin. Ouais. N'oubliez pas, votre carte et votre boussole vous montreront le chemin. Ouais,
Bah n'oublie pas que j'en ai rien à foutre. YOLO! En avant les petits potes! Je suis sympa, je vais pas les faire passer dans l'eau, après ils seront tout mouillés. Ils vont être tout tristounes. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça brille? Pourquoi tu brilles? Je passe en l'heure, que bon live et bonne soirée. Bah merci. Et bonne soirée à toi aussi. Plus d'images dans le puits. Est-ce notre héros? Un autre village semble-t-il. Et après ils vont sauter sur son lit en se mettant sous la couette. Exactement. Devrions-nous les prévenir? Mais finissez vos phrases, bordel de... Nos cœurs, nous devons avoir foi que notre héros les aidera. Les sauver. Dépêchez-vous. Et on se calme. Hein. Prenez ça, les piglings. Je vais vous épingler au mur. Haha. Prenez ça, manon. Et comment ça, j'ai déjà fini, mais il en restait plein. Les piglins sont partis. Nous vous remercions. Les villageois veulent vous remercier aussi. Rendez-vous au coffre du village, au pied de la fontaine, pour une surprise. Ah, voilà. Eux, au moins, ils sont reconnaissants. Je m'appelle Savoir. Ils continueront à rassembler des matériaux pour vous pendant que vous partez à l'aventure. Les piglins se rallient à la périphérie du village. Je pense qu'ils vont lancer un nouvel assaut. Mieux vaut construire des défenses pendant qu'il est encore temps. Une tour de flèche. Les tours à flèche feraient une bonne défense pour ce village. Vous devez mettre en place des défenses autour du village. Du coup, tu fais quoi? Il vous reste encore un peu de temps pour assembler des ressources s'il vous en manque. Mais faites vite! Proches. N'oubliez pas que vos amis golems veulent aussi vous aider. Et pourquoi je peux plus le... Ils sont presque là. Oh, je ne peux pas regarder ça. Les piglins sont là. Préparez-vous. Oui, bah... Ils peuvent attendre 2 secondes. Le cri des piglins est quand même assez cool. Les piglins attaqueront par tous les côtés. Alors assurez-vous de garder un œil sur votre boussole pour voir d'où ils viennent. Thank you.
Mais supprime. Vous vous en sortez très bien. Encore un peu plus longtemps et ce sera bon. Ouais, grave. D'autres Piglin. Non, pas où ils attaquent. Ils sont là. Bon, oui, j'avoue, c'est pas optimal mon truc. Et j'ai pas eu le temps de bien faire. Mais. M'en fous, je vous dégomme comme ça. Ah ah! C'est ça. Vous en sortez vachement bien. J'ai même pas commencé à leur taper dessus. Ouais, mais vous vous préparez vachement bien, je trouve. L'attaque est terminée, mais il reste quelques piglines. Probablement, ouais. Merci beaucoup pour le follow, Possessium. Comment vas-tu? Bienvenue à toi. Oh non, des piglines! Les piglins essaient de détruire la fontaine. Eh ben, je suis pas d'accord. Et merci beaucoup, Alexis. Comment vas-tu? Et merci, Chiptoon 4. Nous savions vous allez donc, vous êtes nombreux. Qu'est-ce qui vous amène? Bienvenue à tous. Vous ayez défendu leur fontaine. Ils ont et mis coucou, Galula. Mais attendez, mais ça me dit même pas que j'ai eu un raid. Ah ouais, non, mais... Même en mettant sur pause, il continue à te parler dessus. Eh bah, bienvenue au raid. Normal, c'est pas un raid. Bah alors, pourquoi tu me dis raid? Bienvenue, Galulana. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je tâcherai de ne pas y répondre. Non, c'est pas vrai. Je vous répondrai avec grand plaisir. Parce qu'on est plein. Eh bien, bienvenue à vous tous. Ça fait plaisir. Bon. Détruisez les trois avant-postes de Piglin. Non, je veux finir ce que j'avais commencé. Alors. Est-ce que le jeu est bien fait ? Non, c'est de la merde. Ah ouais, c'est vraiment, j'ai que deux sens possibles, quoi. Mais c'est un Minecraft ou quoi? Eh oui, c'est un Minecraft. C'est tout à fait un Minecraft. Nous sommes sur Minecraft Legends. Un jeu qui est sorti aujourd'hui. Et on essaie de voir justement si ça vaut le coup. Pour l'instant, j'avoue être agréablement surpris. Il y a juste la partie construction qui a l'air un peu galère. Mais est-ce vraiment si étonnant? Non. Bon, maintenant on le saura, il faut d'abord construire les portes et ensuite les murs. Parce que sinon, c'est de la merde. Par contre, est-ce qu'on peut réparer les murs? Ce serait bien ça de pouvoir réparer. Bon. Et là. Ah ah! Qu'est-ce qui te surprend agréablement? Bah, je trouve que le système de jeu marche plutôt bien pour le moment. C'est assez original. J'avoue que je suis content de pas perdre 50 ans à faire des constructions. Notamment. Après, ouais, faudrait pouvoir supprimer en masse, tu vois. Oh, bah ouais, tiens, vas-y, je vais faire ça, c'est pas con.
C'est pas du tout ce que je voulais faire de base, mais on va faire comme si. Cette attaque du village pourrait se produire à tout moment. Oui, vous devez attaquer les nouveaux avant-postes Pygmées. Oui, hein. Nos débuts du jeu. Hein. Laisse-moi faire qu'est-ce que je veux faire. Quoi ? J'ai pas assez de ressources. Oui, j'ai plus de bois. On cherchait beaucoup de bois. Et comment tu vas, Gelulana ? Et comment vont les nouveaux followers ? N'hésitez pas d'ailleurs à vous présenter lorsque vous arrivez. Si vous avez envie de nous parler un petit peu de qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie et tout ça. Je suis toujours preneur. Hop là. Allez hop. Y'a pas à dire, mais les bruits de villageois, c'est toujours aussi cool. Hein. N'oubliez pas ces avant-postes. Ah ouais? Sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, j'ai fait que deux portes. Mais on va dire que ça suffira. Attention, en 10 minutes je râle parce que ça me fait chier de passer par ces deux portes. Eh! Incroyable! Ah non, j'en ai fait 3! Oh, ça va! Bien joué, Crème. Bien joué. T'es trop forte. Allez! Allez déforester cette région! Merci. Bah, de rien. Merci à toi d'être drôle. Ah, par contre... Mais ils sont restés là-bas. Ces andouilles. Ils m'ont pas suivi. Faudrait pouvoir les renvoyer. Ou qui sont ces cons? Je sais même pas où ils sont. J'ai juste peur qu'on se perde dans le monde. Pour l'instant, ça va, ça a l'air d'être plutôt bien géré. Ah! Ok, donc je peux les rappeler. Oh non! Une brèche. À l'assaut, mes petits poteaux! Ça va, ils suivent tous. Merci, Miniclem. Ah! C'est bon, tout va bien.
Je rompiche un peu. J'aime bien le terme rompiche quand même. Ah ouais? Vous voulez pas me laisser passer? Eh ben adieu les arbres. Je suis le personnage principal. C'est vrai, ils suivent toujours. Ah bah c'est giga loin. C'est quoi ce Minecraft? C'est le Minecraft Legends qui vient de sortir. Fraîchement sorti aujourd'hui. Lapis. Super. Je crois. Tu joues sur quoi? Je joue sur PC actuellement. Est-ce qu'il est bien? Bah pour l'instant il est pas mal. Mais c'est encore trop tôt pour vraiment dire s'il est bien ou pas. Quoi. Ah, nous y voilà. Et merci beaucoup pour les follow. Essayons de les réveiller alors. Minecraft, le jeu pour les bébés. Les grands bébés alors. Allez, le petit bain de boue avant d'y aller. Tu veux combien de likes? J'en veux 15 000. Non, mais ne vous embêtez pas avec ça, forcément. Mettez le nombre de likes que vous voulez mettre. N'en mettez pas si vous voulez pas. Faites comme bon vous semble. Nous avons clairement sous-estimé leur capacité à corrompre. Je déteste admirer leur ingénierie, mais ces tours de bâton de Blaze sont assez dangereuses. Et leur portée est impressionnante. Je peux pas. Allez, on détruit tout, les mini-potes. Oh non, j'ai perdu un mini-pote. C'est une démo? Non, le jeu est sorti en version 1.0 aujourd'hui. Rappelez-vous que les Alais peuvent vous construire des ponts et des rangs pour faire face à un terrain difficile. Ah, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Et je peux d'ailleurs toujours faire ça. Ah oui, là j'ai beaucoup plus de petits potes. Il n'y a plus rien entre vous et ces casernes. Sauf quelques piglines. Ouais, mais ça c'est easy. Easy peasy. Tiens, va-t'en. Après, c'est un jeu qui, je pense, aura pas mal de mises à jour de temps en temps. C'est juste chiant que je puisse pas avoir une pioche et aider à casser les murs. Parce que taper à l'épée, ça me semble pas très logique. Yes.
Allez les mini-potes, on lâche rien. Je te fais les 15K de like. Non mais t'embête pas à faire 15K non plus. Cet avant-poste est tombé. Mais il reste encore des piglins à l'extérieur. Il n'y a pas de temps à perdre. Et si j'ai envie de perdre du temps? Ouais, après ça viendra peut-être plus tard. Hein. Est-ce qu'on va se faire pote avec des creepers? Intéressant. Le monde s'éveille à la guerre. Où cela va-t-il nous mener? À la guerre! J'imagine. Alors. Il est adorable. Un gentil creeper. Alors. Diffuseur du Nether, la pollution qu'il crée rend l'air respirable pour les piglins. À l'assaut! Oh non. Vite, go attaquer ça! Venez, bande de villes manants. J'apprécie guère vos manières. Allez, on tabasse ces trucs-là en premier. C'est vrai, pourquoi c'est toujours les cochons, les méchants? Et voilà. Incroyable. Plus qu'une. Non, on a perdu un autre petit pote. On s'est dit, ça va, en 3 assauts, on a perdu que 2 petits potes. Ça monte un peu. C'est gentil, merci beaucoup. Détruire ces diffuseurs du Nether permettra de purifier l'air. Impossible sur ce type de terrain. On gère fougère, exactement. Ah
mince, on peut. Attendez, désolé. Non. Je pensais que ça permettait d'avoir de la viande comme dans le jeu. Et pour que vous puissiez vous déplacer directement au cœur du combat, je vous suggère de les construire près de là où se trouve l'action. Cela vous fera gagner beaucoup de temps. Vous avez toujours ce pressentiment, clairvoyance ? Oui. Désolé. À l'assaut ! J'avoue que leurs petits points, ils vont tellement vite. Tu m'avais pas dit que t'étais dans le jeu, mais Minikem. Je voulais te faire la surprise. Ben, je suis fort surpris. Incroyable. Exercez la bonne pression. Est-ce que le jeu vaut les 40 euros? Alors, je te réponds. Mais ce jeu ne te laisse pas mettre sur pause, par contre. Je te réponds après la cinématique. Notre curieux creeper est de retour. Et il dans tous les cas, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire véritablement. Le jeu est disponible sur toutes les plateformes. Vraiment nous toutes. Le saurons bien assez tôt. Sauf téléphone. Mais pour te répondre, Nez, pour le moment, c'est, bah, déjà c'est un peu tôt pour le dire, mais après surtout je te conseillerais plutôt de prendre le Game Pass ou ce genre de choses. Bah, visiblement, de ce que. Mais arrêtez de parler, c'est chiant! Ou laissez-moi mettre sur pause! Votre énergie est liée aux eaux du puits du destin. Vous pouvez voyager ici rapidement à tout moment. Cool. Très bien. Bon, donc, même PS4, il me semble que ouais, PS4, PS5, Xbox... Après, l'avantage, si vous le prenez sur Xbox ou sur PC, c'est qu'avec le Game Pass, il est gratuit. Si vous payez déjà le Game Pass. Mais voilà. Mais sinon, apparemment, le jeu vaut 40 euros, de ce qu'on me dit. 40 euros, c'est un peu cher. Après, là j'en suis qu'au début du jeu, il y a un mode multi qui est disponible. Mais taisez-vous ! Vous devrez surtout savoir se taire. Mais après, le système de jeu pour l'instant fonctionne plutôt bien. C'est sympa. Que faites-vous là ? Je travaille sur un petit quelque chose en plus pour aider le héros. Un mode mute. J'ai cru qu'il avait fait grandir les lapins. Et on allait combattre avec des lapins boxeurs et tout. Ah. Il est saoulé. Oui. D'accord, d'accord. Allez-y, rejoignez vos nouveaux amis. Vous aussi, mon petit. Continuez. Le portail est exposé. Vous savez quoi faire à partir. Par contre, faudrait peut-être les laisser finir leur phrase, hein, parce que ça fait plusieurs fois déjà. Golem de mousse et de meule sont ravis de se joindre à vous. Mais vous aurez besoin d'une ressource spéciale. Tellement d'efforts dans l'animation. Bah après, c'est du Minecraft. Hein. Vous aurez juste besoin de construire la bonne amélioration.
Très bien. C'est là que toutes les merveilleuses mélodies que vous apprendrez seront conservées. Maintenant, allez-y et tournez les pages. C'était pas du sarcasme. Ah bah, je pensais. Ok, là, rien de nouveau. Vous pourrez désormais ramasser du fer dans le monde et faire apparaître ses nouveaux amis lorsque vous en aurez besoin. L'assaut des piglins faiblit. Vous y êtes presque. Avec chaque nouvelle mélodie, votre relation avec les Allais grandit. Cette mélodie les aidera à extraire du fer pour vos besoins de construction. La bête est peut-être un chasseur, mais vous n'êtes pas une proie facile, n'est-ce pas? Si. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est vrai, mais ces piglins sont pris au piège entre le héros et le pourceau. Ils ne s'en battront que plus fort. Les piglins préparent quelque chose, j'en suis sûr. Les piglins en ont après le dernier village que vous avez sauvé. Il va avoir besoin de vous à nouveau. Mmh. Heureusement, elle est bien protégée. Et si je suis une grosse victime, je suis un phasme. J'apprécie la ref. Yaha! Je suis à la moitié. Tu peux t'arrêter là, hein, tu sais, si tu veux. Simplement, il y a un avant-poste là-bas. Oh, il y a un truc qui brille. J'aime bien les trucs qui brillent. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pour sauter plus haut. Le jeu est sorti? Oui, il est sorti aujourd'hui. À 18h. 18h. Trop bien, je l'ai avec le Game Pass du coup. Tout à fait. Il est téléchargeable depuis le Game Pass. C'est ce que j'ai fait aussi. Pourquoi ça m'étonne pas de toi, Miniclam? Merci beaucoup pour les gemmes. Vous êtes des gens généreux. Maintenant que vous savez utiliser la bannière, et merci pour le follow. Saviez-vous qu'elle possède d'autres cordes à sa hampe ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Essayez dès maintenant. Dans le feu de l'action, vous devrez être prêt à tout. N'oubliez pas les différentes façons d'utiliser votre bannière. Le combat à venir sera plus difficile que tous ceux que vous avez déjà affrontés. En même temps, ceux que j'ai déjà fait étaient très simples. Cessez, bande de méchants! À l'assaut! Il y a quelque chose de différent ici. La menace des piglins. On dirait qu'elle change. Mais pourquoi? Ce n'est pas encore clair. On va peut-être avoir notre premier boss. À l'assaut!
Par contre, notre personnage, il a 15 000 points de vie. Hein. Ah non, reste là. Ah non, ils avaient capturé des lapins. Les petits bâtards. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit côté Pikmin. Je te l'accorde. Oh non, ils sont pas contents. Aïe. Trove ? C'est quoi Trove ? Je connais pas du tout. Rosalia. Bon, en vrai, c'est joli. D'abord, ils empoisonnent le sol, et maintenant le ciel. Notre héros nous guidera à travers les ténèbres. Ouais, j'ai jamais dit ça, hein. Il faut trouver la source de cette magie. Trouvez-la et arrêtez-la. Bah, elle est là-bas. Alors. Bon, là-bas, il y a un point d'intérêt. Il y a un village ici. La balise de nuit qui se trouve là. Et avant, retournons au village. Notre village a besoin de votre aide. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Bah, tu m'as dit, faut revenir au village d'avant, gna gna gna. Là, je suis au village d'avant. Comment on nous parle trop mal, mais grave. On va se calmer la petite, hein. Ouais, visiblement, en fait, fallait aller là-bas. Mais je trouve pas de gisement de fer. Je trouve plein de diamants, mais pas de fer. Pas de quoi faire ce qu'il me faut. $11,000 sur 15 000 $. Tu te donnes trop de mal. J'aurais dû te dire, j'ai besoin de 2 gemmes, tu te serais moins cassé la tête. Tu
Tu vas ressortir de là, tu auras eu l'impression d'avoir joué à Cookie Clicker pendant 2 heures. Ah ah! C'est donc ça Minecraft Legends? On dirait Trove. Ah bah écoute, t'es le deuxième à en parler. Mais non, mais c'est même pas du fair. Enfin si, il y en a un petit peu, mais il n'y a pas que ça. Donc il a de quoi faire. Lol. Bah écoute, ça va, merci, et toi? Comment vas-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, tu arrives à l'heure. Tu n'arrives pas au moment où j'arrête. Très bien. Ben, incroyable. C'est cool si vous allez bien. Allez hop. Putain, mais c'est loin. Bon, en même temps, j'aurais pu me téléporter plus près. J'ai été un peu con. Est-ce vraiment étonnant? Non. Et hop là. Les aides peuvent construire un puits afin de vous offrir un endroit sûr pour vous regrouper. Ils ne seront pas aussi amicaux avec les piglins, je vous l'assure. On peut construire un puits. Ok. Je peux également construire une maçonnerie un peu plus tard. Aïe. Visiblement, on y arrive. Ok les petits potes, est-ce que vous êtes prêts pour la bataille? C'est Kratos cet homme? Tout à fait. À l'assaut! Le ciel sombre renforce l'agression des piglins. Que pouvons-nous faire? Les attaquer. Regardez. Donc on est en train de combattre avec nos ennemis. Et par contre, les piglins qui normalement sont gentils nous tapent dessus. Pas très logique tout ça. Que se passe-t-il? Comment ont-ils appris à se battre? Mais il savait déjà se battre, bande de cons. Dans notre héros. Mais non, pas du tout. Ah non, mais si vous adaptez un jeu pour en faire un spin-off, faut au moins avoir joué au jeu de base. Bon, ça va pas le faire, hein. À l'assaut! Ah bon. Prends ça, Pumba!
Bon, les combats sont un peu longs quand même. Vous allez voir, après il y a l'Ender Dragon qui va venir nous aider à combattre aussi. Ça n'aura juste plus aucun sens. J'ai l'impression qu'il me manque des petits potes quand même. Le mur est percé! N'arrêtez pas! Déjà je fais ce que je veux. Ah ouais, qu'est-ce que vous foutez là, vous? J'ai bien manqué du monde. Personne n'arrête la magie de ce portail. La nuit durera éternellement. Eh bah vous avez qu'à venir aider si vous êtes pas content. Incroyable ça quand même. Bien trouvé la blague, merci. Au. Courage, fuyons. Maintenant que vous avez accès au fer, vous pouvez l'utiliser pour construire toutes sortes de nouvelles structures. Allons-nous ressourcer. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? À l'assaut! Je vais réussir, ça a remis à 0 gemmes, j'ai le somme. Je crois qu'en fait, sur TikTok, si tu dépasses les 1000 gemmes, ça compte plus. Je crois qu'en gros, ça prend en compte 1000 gemmes par personne et après ça s'arrête. Zéro, ça m'étonne par contre. Mais j'imagine que c'est pour éviter de se retrouver avec des lives qui sont considérés à 30 000 gemmes alors qu'en réalité il y a 3 personnes qui ont mis gemmes quoi. Oh mon dieu, il est invincible! Je t'avais donné 5000 gemmes, je crois, mais c'est adorable. Je confirme, les combats sont un peu longs. Oh mon dieu. Courage, fuyons! Ok, pas grave. Bon bah bon live et bonne chance. Merci beaucoup. Est-ce que t'as fini le jeu avec l'Ornithorynque ? Non, on a dit qu'on attendait que le jeu sorte officiellement. Et on y rejouera à ce moment-là. Bah ça alors, je baisse mon pied et que vois-je ? Un petit bébé chien qui me mange. Allez ! À l'assaut ! Mais pourquoi tu m'attaques ? Cristal, qu'est-ce qu'il a ce petit chien? Attendez, je fais une micro-pause tabassage de petit chien et je reviens. Clem, sache que j'ai mis sur pause. Heureux. Donc, on en était à l'assaut! Et merci beaucoup pour le follow, Claire!
c'est super vite. Allez, maintenant on pète cette porte. Tape pas mes potes. Eh ben, c'est la merde. Oh non. Il y a un gros piglin pas content qui arrive. Ah ! Arrêtez ! Courage, fuyons les amis. Allez vite, tous à l'eau, si vous êtes en train de brûler. Yes, ça les a guéris. Allez, on va retourner chercher des potes. Il était costaud, il était un peu costaud. Allez, on se remet de la vie. Et on va y retourner. Rien quand je lui tape dessus. Ils sont un peu longs hein, les combats, hein. Ils sont un peu galères. Heureusement, il n'y a pas de tir allié parce que... Allez vite, il faut détruire cette tour. Thank you.
courage, fuyons. Je vais aller prendre des archers. Allez. Comment ça va, Clem? Et comment vont les autres aussi? Ça m'étonne de ne pas avoir vu de message de Clem réagir à bébé chien, c'est pour ça. Je te demande. Mais interminable le truc. Ou alors c'est que je vois plus vos messages. Parce que là vraiment moi mes messages s'arrêtent à alors ce jeu. Ah non. D'accord. Ben, sympa. Si vous commencez à être censuré sur Twitch, on va pas s'en sortir. Hein. Est-ce qu'on peut enfin en tuer un des deux gros là? Ce qui est chiant, c'est que tu sais même pas en fait si tu leur fais vraiment mal ou pas. Ils ont pas de barre de vie, y'a rien. Est-ce que j'ai pas de nouvelles constructions? Non. Écoutez, je vais essayer de détruire le générateur et puis c'est tout. C'est vrai que c'est un poil long, c'est même carrément long. Ouais. Bah surtout que les deux gros, j'ai l'impression que je leur fais vraiment zéro dégâts, donc... Bah écoutez, on va détruire le portail et puis on fera le reste après. Hein. Encore un effort et le portail va tomber. Si, ça va, mon perso, en fait, il est très utile contre les petites unités. Après, ouais, contre les bâtiments et tout, il sert pas à grand chose. Clairement. Par contre, eux, ils sont immortels, quoi. Ce portail est presque détruit. Continuez à vous battre. Brisez leur magie. Ouais. Faisons ça.
Aïe. Allez, bim. Mais non, mais le lever du jour, ça va tuer tous les squelettes. Non, mais ils ont vraiment jamais joué à Minecraft avant. Hein. Parce que normalement, les zombies et les squelettes, ils crament à la lumière du soleil. Hein. Ça, ouais. Mais laissez-le, le pauvre petit. C'est un nouveau monde. À plus d'égards que nous le croyons. Mm-hmm. Et la fin du jeu. Réchauffe les cœurs et les visages de la surface. Nous ne savons pas comment vous remercier. C'est vrai. En disant merci. Nous avons gagné la bataille. Mais je crains que la guerre ne fasse que commencer. Détruire cette magie noire a attiré toutes les hordes du Nether à la surface et a renforcé leur soif de conquête. Vous devez détruire tous leurs portails pour sauver la surface. Vous êtes notre seul espoir. Les aides vont maintenant récolter de la redstone pour vos constructions plus complexes. Votre puits est tombé aux mains des piglins, mais vous pouvez toujours en construire un autre. Mm-hmm. Ah, attends. Maçonnerie et tambour de guerre. Qu'est-ce que ça m'apporte? Je sais pas trop. Lanceur de redstone. Un piège de glace. Augmente la portée des... Ok. D'accord. Et coucou Créazèbre, comment va? Bah écoute, ça va, merci. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, maintenant j'ai plein de trucs. Je sors du tir à l'arc. Et alors? Ça s'est bien passé? Hum.
Alors. Ok, je me construis ça. Je vais chercher du diamant. On dirait une fin de jeu quand tu débloques tout. Il y a un peu de ça. Mais c'est un peu une façon de te montrer vite fait comment on joue. Et maintenant, c'est bah... Vas-y. Do it. Go chercher plein de diamants. Charmeuse. Et coucou Mathéis, comment tu vas? Tu es bien matinal. Bah écoute, ça va aussi. On découvre un nouveau jeu, comme tu peux le voir. Tu as fini Spider-Man ? Oui, on l'a fini hier. Il y a des quêtes ou c'est full construction ? Non, il y a des quêtes. Il faut libérer le monde des méchants cochons. Les Allais ne demandent qu'à aider. Ils rempliront ces coffres de choses utiles pour la bataille. Bah, c'est gentil. Alors. Normalement, je peux construire la longue vue maintenant. Ah non, il en faut 200 de diamants. Il me faut plus de diams. La chanteuse. C'est pour ça capacité max. Bah non. Faut que je retourne là. Pauvre cochon. Bah ouais, bah écoute, que veux-tu? C'est les méchants du jeu. Et qui dit méchant dit pas gentil. Merde. Ah. Mais pourquoi j'ai les contrôles qui sont inversés là? Et what? Très bizarre. Alors. Mais toi, tu as déjà suivi ce commandement. Écoutez. Non, d'abord, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce que c'est que ce point d'exclamation. Point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est que quoi ? Mmh.
une tour de gel. Ça alors. Et c'est quoi une tour de gel? Ah oui, non, c'est beaucoup plus épuré. Hein. Le but, c'est juste de se défendre. Eh bien, cette vieille tour de gel tient toujours debout. D'accord. Et donc? J'essaye de me souvenir pourquoi je les ai construits. Pour geler des trucs. Mais c'est triste. C'est pas ce que j'avais en tête, mais ça fera la Si, il y a un mode en ligne, tu peux affronter des gens, t'as plein de trucs différents à faire. Les allèves vous aider à emporter cette tour avec vous, si vous le souhaitez. Et ils sont nombreux à être dispersés aux quatre coins de la surface. Revenez au puits et je vous apprendrai. Oh, vous m'enquiquinez, hein. La doublure est connue? Ah bon? Peut-être. Vas-y, apprends-moi. Amélioration tour de puissance. En fait, tu m'apprends que dalle. C'est à moi de l'apprendre tout seul et j'ai pas assez de ressources. Tu m'as fait perdre mon temps. Espèce de petit sacripant. Oui, j'en connais plein. Ah, attendez. Ok. Je leur dis de me reprendre ça, parce que j'en ai plus beaucoup. Voilà. Oh, coucou Koala Moustachu, comment va? Comment t'avances sur ton projet? Surpris, j'ai pensé à toi parce que je me suis repris à un petit abonnement sur sur Midjourney pour tester la nouvelle mise à jour. Qu'est-ce que c'est beau ce que ça fait, n'empêche. D'ailleurs, si vous voulez, à la fin du live, on pourra aller s'amuser sur Midjourney. Satisfait des résultats? Franchement, ouais, il y a des trucs, c'est super beau. Alors, nouveau fort à attaquer. Ouais, il débute, hein. Après, faut encore que j'apprenne à bien me servir des prompts et tout ça. Je galère un peu. À obtenir vraiment ce que je veux, c'est galère. La horde de la chasse est toujours en mouvement et se préoccupe peu des défenses. Préparez-vous à ces attaques incessantes. N'oubliez pas, votre lanceur à Redstone peut vous aider dans la lutte contre les Piglin. Alors, le lanceur à Redstone. Votre lanceur à Redstone réglera le sort de cette base en un rien de temps. Oui, ouin. J'ai pas assez de Redstone de toute manière. Ah, faudra que tu m'expliques tout ça. Parce que j'avoue que pour moi, c'est encore très, très confus. Vous pouvez maintenant ramasser des diamants. Cela vous aidera à renforcer vos stratégies. Allez! C'est un peu chiant à installer et j'ai dû suivre des tutos bêtement. Écoute, des fois il faut ce qu'il faut. Hein.
Il faudra que tu m'expliques exactement ce que, à quoi ça sert et tout ça, et que je puisse bien comprendre. Enfin, je dis il faudra. Tu fais ce que tu veux. Bah écoute, c'est pas ce que m'a dit le juge, Clem. J'espère que tu buvais. Waouh! Oui, bah... ah. Oui, yes. Pour avoir une interface à peu près compréhensible en local. Ah, ok. Bah écoute, avec plaisir. J'ai pas trouvé de redstone, ça aurait pu être bien effectivement, mais j'ai pas trouvé moi. Après j'ai l'impression qu'en fait le jeu il te propose plein de persos différents. Mais le mieux à faire c'est juste de prendre des petits points et d'aller casser les bâtiments et c'est fini quoi. Vous allez voir que là, si je perds tous mes persos et que je vais me faire que des persos à petits points, on va aller beaucoup plus vite. Attends, je suis désolé, mais combattez! Bonne nuit, Créa Zèbre. Et merci Mjolnir pour le follow. Bienvenue à toi. Attaque plus. Oh, merci beaucoup. Voilà mon ah petit oui, prime. Voilà mon petit prime. Et bah merci pour ton petit prime. Merci beaucoup. Salut, tu vas bien? Bah écoute, ça va bien, merci, et toi? Autant qu'ils servent, bah c'est gentil, parce qu'ils pourraient très bien servir ailleurs. Je suis sur Twitch, exactement, avec le même, j'ai le même pseudo sur Twitch.
On ne prend pas de risque en disant que vous avez attiré l'attention de la Horde. Oh. J'avoue que j'ai du mal à accrocher au jeu. Il est pas mauvais, mais je sais pas, il manque un truc. Bah en fait les combats sont très longs. Au final la partie construction, j'ai l'impression que à moins de jouer en multi, ça te sert pas à grand chose. Parce que autant en multi pour protéger ta base et tout ça, je peux comprendre. Autant là, bah au final on m'attaque pas, donc je fais juste des vieux combats giga longs et c'est tout. Quoi. Donc j'avoue que pareil, après ce combat, je pense que je vais arrêter. Je sais pas... J'accroche sans plus, quoi. Bah, en vrai, oui, le côté Minecraft a un intérêt, parce que tu peux vraiment construire une base et tout. Ça a l'air d'être plutôt bien fichu. Mais c'est juste que là... C'est l'heure de boire, très bien. Je vais faire ça. Oui, j'imagine que plus tu montes de niveau, plus tu te fais attaquer et tout ça, mais c'est vrai que c'est... Je sais pas, pour l'instant, j'accroche pas des masses. Non, Gandalf, pas pour l'instant. Et là, par exemple, on vient d'avoir un message qui disait qu'il y avait une des bases qui avait été améliorée. J'imagine que oui, ça devient de plus en plus dur, mais bon. Quand tu vois à quel point tu perds du temps à attaquer une seule petite base, j'avoue que... Et au final, là, tu vas voir, je vais détruire ça et ça va détruire la base. Et en fait, ça sert un peu à rien de... Ça n'a de Minecraft que le nom. Bah non, parce qu'il y a quand même le côté construction et compagnie, quoi. Sinon, tu connais Grounded ? Ouais, j'y avais joué avec des amis. J'y ai pas joué depuis la 1.0, par contre. Mais oui, on y avait joué, ouais. C'est plutôt pas mal, Grounded. Le principe est très cool. Il faudrait que je retrouve des gens motivés pour vraiment y jouer et faire une grosse partie. Le portail subit de graves dégâts. Bah ouais, je sais. Clé de piglin découvert. Ok. Ah mais c'est ça, en fait t'envoies les piglins ici, et puis, enfin les golems ici, tu défends des piglins et puis t'as fini. Hein. Étrange. J'ai compris, tu envoies ces golems. Aïe aïe aïe. Ces golems royales. Moi je veux bien les bêta 1.2. Alors c'est plus de la bêta là, il est sorti en 1.0. Et après, j'avoue, je joue surtout avec les gens que je connais IRL. Le multi est peut-être meilleur. Je pense qu'en multi, il y a moyen de s'amuser, ouais. Je pense qu'en multi, il y a moyen de passer des soirées sympas.
Les cinématiques sont cool. Les cinématiques sont sympas, ouais. Je sais pas combien ils en ont prévu. Par contre, ils pouvaient arrêter d'attaquer ces pauvres petits cochons. Bien qu'elle me brise le cœur. Ah bah voilà, on a pensé à la même chose. Quelque chose de dangereux rôde dans le Nether, attendant son heure. Je crains que bientôt, elle ne vous prenne en chasse. Et voilà. Maintenant, choisissez la structure pour améliorer votre lutte afin de jouer la mélodie du fer. Et les allées le construiront pour vous. D'accord. Mais flemme. Parce qu'on va s'arrêter là pour ce jeu. Ok, bah voilà pour ce qui était de la découverte du jeu, le jour de sa sortie. J'espère que ça aura pu intéresser du monde et que ça aura pu vous donner envie ou non de prendre le jeu. Sachez encore une fois que ce n'est pas parce que moi je n'apprécie pas que vous n'avez pas le droit d'apprécier. Fort heureusement d'ailleurs. Mais voilà, moi c'est pas trop mon délire, mais si jamais le jeu a su vous convaincre vous, c'est déjà plutôt cool. Voilà. Donc pour ce qui est de la VOD, je m'arrête là, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut, salut.